êtes-vous ? Je suis Anne-Solène Le Pabic. Quel est votre rôle ? Je suis maraîchère. C'est quoi la culture bio ? La culture bio, c'est la culture qui permet de ne pas abîmer l'environnement. On cultive sans produits chimiques, avec l'aide des insectes qui sont présents dans le milieu naturel. Et comme ça, on a des produits qui sont sains pour la santé et en plus, on ne pollue pas la planète. C'est quoi le potager du Cosquéric et pourquoi ce nom ? Alors le potager du Cosquéric, c'est une entreprise maraîchère. Le nom est dû au lieu, c'est un lieu dit. Et ce lieu s'appelle le Cosquéric. Et du coup, quand j'ai créé le potager au départ, je l'ai naturellement appelé le potager du Cosquéric. Quelle est sa superficie ? La superficie du potager est de 2 hectares en maraîchage et 2000 mètres carrés de tunnels. Les tunnels, c'est les abris comme celui sous lequel on se trouve, qui permettent de cultiver des légumes avec un peu plus de chaleur. Depuis quand existe-t-il ? Depuis 2006, le 1er mai 2006. J'ai trouvé que la fête du travail, c'était bien pour s'installer. À qui appartient-il ? Alors, autrefois, il m'appartenait à moi. Et depuis cet été, je me suis associée avec une personne qui s'appelle Benoît. Et on a fondé un GAEC. Est-il transmis de génération en génération ? Alors en fait, le potager, non, puisque c'est moi qui l'ai créé en 2006. Mais la ferme était à mes grands-parents et même à mes arrière-grands-parents. Et donc j'en ai un peu hérité en quelque sorte. Combien de personnes y travaillent ? Donc en ce moment, c'est 2, mais il y a eu plusieurs personnes. J'ai essayé de m'associer avec plusieurs autres personnes avant. Et donc, c'est plein de belles histoires humaines. Mais pour l'instant, on est 2. Qu'est-ce que vous cultivez ? Des fruits et des légumes de saison. Quelle variété ? Plein de variétés différentes. Parce que le problème de la culture bio, c'est qu'il peut y avoir un problème avec une variété. Et du coup, si on cultive une seule variété, on prend beaucoup de risques. Parce que si c'est raté, si la culture est ratée... Voilà, on a tout raté économiquement, on a travaillé pour rien. Du coup, on cultive des salades, des tomates, des poivrons, des aubergines, des concombres, des courgettes et des fraises. Et plein d'autres choses. Avez-vous des animaux ? Oui, on a aussi un élevage de poules pondeuses. C'est un petit élevage avec au maximum 245 poules pondeuses. Pour quelle culture ? Pour les cultures, comment faites-vous ? Vous utilisez des graines, des plants ? Les deux. Ça dépend de ce qu'on veut cultiver. Par exemple, les radis, on va les semer avec des graines, donc on va acheter des graines. Mais on va le faire aussi pour les potirons, qu'on va semer. C'est parce que c'est à une époque où ça pousse assez facilement. Et puis en hiver, par exemple, où les plants sont plus difficiles à obtenir, on va utiliser des plants qu'on va acheter. Aussi pour les tomates, parce que pour les tomates, c'est compliqué. Il faut vraiment un endroit très chauffé pour en avoir à la bonne saison. À quoi servent les serres ? Justement, les serres, ça sert à réchauffer l'atmosphère pour que les plantes puissent pousser plus vite et un peu en toute saison. Quelle quantité produisez-vous ? Je n'en sais rien du tout. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à calculer. Je ne sais pas. Je suis incapable de vous dire. Quelle quantité vendez-vous ? Pareil. De quelle manière vendez-vous ? Que en vente directe, en fait. Je ne fais même pas les marchés. Les clients viennent à la ferme. On ouvre 3 après-midi par semaine en été. Et en hiver, c'est 2 après-midi par semaine seulement. Et sinon, on fait des paniers et on livre aussi des légumes à une AMAP. Tout à l'heure, vous avez parlé d'un GAEC. Qu'est-ce que c'est ? Un GAEC, c'est un groupement agricole économique en commun. C'est une forme juridique, en fait, pour les entreprises agricoles. Exactement comme les SARL pour les entreprises commerciales. Et vous avez parlé aussi de l'AMAP, mais qu'est-ce que c'est ? Une AMAP, c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne ou de proximité. Et ça, c'est des gens qui se mettent, des citoyens, qui se mettent en collectif et qui fondent une association. Et l'association, elle a pour but de soutenir les agriculteurs de façon locale. Et du coup, là, l'AMAP de Pleumeur, on est 7 ou 8 producteurs. Il y a une dame qui est paysanne boulangère, il y a une dame qui fait des champignons, une autre qui fait du fromage de chèvre, une autre qui... Alors, il y a moi qui fais les légumes, une autre qui fait des poulets et des œufs.
Et on est tous en bio, en agriculture bio. Parce que les gens qui fondent une AMAP, en général aussi, veulent une agriculture de qualité et respectueuse de l'environnement.